Salut à tous, c'est Max du blog Formation Guitare. Alors aujourd'hui, un morceau facile à jouer, Still Dre de Dr. Dre et Snoop Dogg, qui est sorti en 1999 sur l'album de Dre. Donc je vais vous montrer les pincements au niveau de la main droite, également les positions d'accord main gauche et la ligne de basse. C'est parti. Donc pour jouer le morceau, on va avoir besoin de trois positions d'accord. La première, c'est celle-ci. Donc vous appuyez en 5e case avec le majeur sur la corde de sol, 5e case avec l'annulaire sur la corde de si, et 5e case sur la corde de mi aigu avec l'auriculaire. Donc on va jouer cet accord sur 8 croches, on va le pincer 8 fois avec l'index, le majeur et l'annulaire. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on a juste à déplacer le majeur d'une case vers la gauche. Les deux autres doigts restent en place. Et le deuxième accord, on va le jouer 3 fois, donc 3 croches. Pour le troisième et dernier accord, on enlève le petit doigt et on met l'index à la place sur la corde de mi aigu en troisième case. Et le troisième et dernier accord, on le pince 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous refais une petite fois. Ensuite, pour la ligne de basse. Donc, pour le premier accord, on va jouer la corde de la vide sur le premier coup en même temps que le pincement de l'accord. Donc, ça donne ça avec le pouce main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la septième croche, on va appuyer sur la troisième case de la corde de la avec l'index. Toujours, donc on joue la basse en même temps que le pincement. 7. Et pour la huitième croche, on revient uniquement sur les trois premières cordes, sur le pincement. Donc ça donne ça, pour le premier accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on se met sur la position du deuxième accord et on va pincer sur la première croche avec le pouce sur la corde demi-grave. 1, 2, 3. Pour le troisième et dernier accord, j'arrive au niveau de la quatrième croche de ma mesure. Je vais jouer la quatrième, cinquième et sixième croche sans la basse, uniquement les trois premières cordes. 4, 5, 6. Puis à la 7e croche, je rejoue la corde demi-grave à vide avec mon pouce pour faire la basse, en même temps que le pincement. Et pour ma 8e croche, je rejoue uniquement les 3 premières cordes. Je vous refais l'ensemble plus lentement avec les basses. Bossez bien les positions d'accord main gauche et les pincements main droite. Amusez-vous bien avec ce morceau sympa à jouer. Moi d'ici là je vous dis bonne journée à tous et à bientôt. Salut.